mesdames et messieurs, attention, je vais vous faire une chanson. Le sujet en est ambitieux, de mon image je suis soucieux. En 1990, c'est l'heure des communications. Du moteur forme à explosion, puis de l'avion à réaction. Mais de toutes les inventions, c'est sans doute la bombe à neutrons qui nous laissa le plus baba au cours du célèbre Hiroshima. Mais 1990 devrait nous laisser tous pantois, devrait nous laisser tous gaga. Dirigé par ordinateur, Sony, Fuji et Macintosh se culbutent dans les airs, le rush. La guerre technologique fait rage, c'est un super média carnage. Attention, voilà les avions qui tirent, c'est l'heure de l'émission. 1990, c'est l'heure de la médiatisation. 1990, c'est l'heure de la conscientisation. Maudit du sport, du jogging et de la cigarette. La preuve en est nos beaux soldats américains qui sont là-bas, bronzés à la vitamine D, nourris aux fibres équilibrées. Les morts qui seront faits là-bas seront en bonne santé, je crois. Les impôts du contribuable n'ont pas été payés en vain. La preuve en est, il est possible de ne jamais rater sa cible. Si on connaît le vidéo, si on se pratique le coco, bientôt disponible, bientôt Corétirac en Nintendo. En 1990, c'est l'ère de la socialisation. En 1990, c'est la démocratisation. Quand tout à coup je me sens con, assis par terre dans le salon, je ne fous rien, je suis un con. Heureusement que ma copine a soudain l'idée de génie de me toucher le porte-avions. Vite fait je lui sors mon canon. Ça va chauffer, oui mon amour, je crois que mon radar a ion. La sortie de secours, je vais larguer mes bombes, attention. En 1990, j'ai mis ma participation. En 1990, j'étais dans la coalition. En 1990, en 1990. Hier soir, DJ a sauvé mon âme avec cette chanson. Oh.